Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous démarrons une nouvelle semaine des lives Facebook du Journal du Golf. On est ravis de vous retrouver. Première chose, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est la priorité. Un petit pouce serait idéal dans la barre de commentaires de me dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Ça va me rassurer et surtout me permettre d'avancer. C'est très important. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes déjà nombreux à être sur la page Facebook. Je vous remercie. Bonjour Mathieu Bay, bonjour à tout le monde. Bonjour Lionel, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Guillaume, tout va bien. Merci Jean-Luc. Génial. Nouvelle semaine. Peut-être dernière semaine des lives Facebook du Journal du Golf. C'est à la fois triste parce que pour moi c'est un grand bonheur de partager ces lives avec vous et en même temps on est aussi en même temps assez heureux de pouvoir retourner sur nos parcours et de pouvoir jouer à nouveau. Donc, on croise les doigts, les nouvelles sont plutôt encourageantes. La Fédération française de golf et la PGA font un travail formidable. Et on a, en tant que directeur de golf, parce que j'ai aussi la chance d'être directeur de golf au golf du Vaudreuil, on pense espérer cette réouverture le 11. On attend des informations. Je pense que toutes et tous, vous êtes impatientes de pouvoir de nouveau réserver vos départs. Mais comme nous, aujourd'hui, au golf du Vaudreuil, nous ne pouvons pas aujourd'hui réserver de départ dans la mesure où nous ne savons pas encore si vous allez pouvoir jouer par deux, par trois, par quatre. On a besoin d'attendre de savoir ce qui va se passer. On a besoin de savoir si les practices vont être ouvertes uniquement pour de l'échauffement ou des leçons individuelles, si on va pouvoir accueillir des groupes. Il y a encore beaucoup de questions, mais bien évidemment, on est tout à fait conscient que c'est normal, qu'on ait ces leçons. On est face à une période d'inconnu ou qu'on ne maîtrise pas, donc on est obligé de s'adapter. On pense que dans les jours à venir, on va avoir beaucoup plus de certitudes quant à votre accueil dans les différents golfs. D'ici là, dernière semaine extrêmement riche. Pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous échauffer avant d'aller sur le parcours. Ce qui est très important, vous n'allez pas avoir joué depuis 2 mois. Comment vous réchauffer, à la fois pour ne pas vous faire mal et aussi pour être performante et performant. Ça, c'est le double objectif de cet échauffement aujourd'hui. On va avoir avec nous quelqu'un de super et je vais y revenir dans 2 minutes. Demain, je vous ferai une analyse des plus longs frappeurs de la planète, ce qu'on appelle les long drivers. Pourquoi ils génèrent autant de puissance? Donc, dès demain, 14 h, pourquoi les joueurs professionnels tapent si fort? Mercredi, je recevrai de nouveau Florence Lejacq, qui a fait une intervention absolument géniale la semaine dernière sur le golf féminin. Et là, on ira encore plus loin. On prendra des swings de joueuses qui ont évolué, notamment le swing de Céline Boutier quand elle était toute petite et maintenant. Le swing d'Alban Valenzuela, qui est aussi une joueuse formidable quand elle était petite et maintenant. Et on va comparer ces swings et on va dire qu'on va comparer le swing de junior avec le swing adulte et voir les évolutions qu'il y a eu au fur et à mesure des années. Donc, ça va être très intéressant. Et à partir de jeudi, une mini-série pour finir ces lives où on partira du tee au green avant lundi, avant que vous retourniez sur vos parcours. De jeudi à dimanche, on va résumer ce qu'on a vu ensemble depuis maintenant 2 mois. Jeudi, je vous parlerai sur le départ. Quoi faire quand vous allez être sur le départ à partir de lundi prochain. Vendredi, quand vous êtes sur le fairway et que vous attaquez le green, quoi faire. Samedi, autour du green, bunker, chip. On l'a vu pas mal pendant ces 2 mois, mais on va réviser. Et dimanche, on finira par le green. Donc, on va partir jeudi du départ pour arriver dimanche au green et réviser ensemble tout ce qu'on a vu depuis 2 mois. Mais parlons d'aujourd'hui. Vous allez retourner sur vos parcours, probablement certaines et certains d'entre vous, dès lundi. Comment vous échauffer? Comment vous échauffer pour être à la fois, on va dire, chaud, ne pas vous blesser, mais aussi très important pour être performante et performant sur le parcours dès le premier trou. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Donna Vuelstek. Bonjour Donna. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Super. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez Donna? Pareil, petit pouce, petit cœur pour nous dire que vous le voyez bien et que vous l'entendez bien. Et le but de cette séance, c'est on va se partager le travail avec Donna. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, Donna va vous expliquer comment vous échauffer de manière physique pour être prêt à taper votre premier coup. Et dès l'instant où vous serez échauffé, je prendrai le relais et je vous expliquerai comment vous échauffer d'un point de vue technique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser qu'au grand jeu.
Peut-être dans une prochaine session, on fera l'échauffement au chipping, au putting. Aujourd'hui, on se concentre au grand jeu. Donc, vous allez commencer avec Donna. Donna, tu as 10 minutes, un quart d'heure pour que les gens, en tout cas tous nos auditeurs, soient prêts à taper leur premier coup. En 30 secondes, Donna, tu es préparateur physique, tu es prof de sport, tu es un excellent golfeur et tu t'occupes avec moi de notre académie, pardon, Altus Performance au Vaudreuil. Avec un rôle à la fois de préparateur physique spécifique golf avec Cyril Le Loisigeau, que vous voyez 2 à 3 fois par semaine, et aussi d'athlétisation, sachant que ton rôle aujourd'hui va être d'échauffer nos auditeurs. Odonna, c'est à toi. Est-ce que tu m'entends bien, surtout Guillaume? Et on t'entend bien, tout le monde t'entend bien. La scène est à toi pendant 10 C'est minutes. J'ai parti. besoin que dans 10 minutes, je récupère nos auditeurs. Il faut qu'ils soient super chauds pour taper leur premier coup. Ça te va? Ok, très bien. Alors, on va faire juste un petit. Le vois, Guillaume le voit souvent au Vaudreuil, je le vois trop souvent, c'est que on sort de la voiture et puis on est pressé et on va sur le départ du Rhin, on va commander un sandwich rapidement et puis on part. Et là, catastrophe, ça va à droite, ça va à gauche, on met plein de trous à se mettre dedans et on oublie souvent l'importance de l'échauffement. Alors, souvent je dis, parce que je suis prof de PS, je dis à mes élèves, écoutez, les élèves qui arrivent en retard, ils me disent, monsieur, j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin, et ils sont dans les vestiaires, et je lui dis, écoute, la prochaine fois, tu vas prendre le temps de déjeuner, tu arriveras un quart d'heure en retard à mon cours. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose, ne négligez surtout pas cette partie d'échauffement, d'accord? Prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, prenez le maximum de temps pour vous, parce que Guillaume le disait tout à l'heure, c'est évidemment, ça va vous permettre de durer dans le temps sur le golf, qui est une activité qu'on peut pratiquer jusqu'à 80, 90 ans, voilà, une activité dans laquelle on va s'épanouir, et il faut à tout prix limiter les blessures. Les blessures, elles sont souvent liées au fait que vous ne vous préparez pas correctement et que vous oubliez, ce qu'on parle souvent avec Cyril, c'est préparation à la vitesse. On sait très bien que ça aide un wedge ou un driver, on peut passer de 60 miles à 130 miles pour les plus rapides et que le fait de générer de la vitesse va forcément avoir des contraintes sur le corps. Donc, très rapidement, je vais vous faire une proposition. Voilà, c'est une proposition. Vous savez très bien qu'il y a énormément de façons de s'échauffer. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous arriviez à vous échauffer avec des sensations de la proprioception, c'est-à-dire quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous appartient, des petites routines que vous allez faire évoluer. Donc, ce matin, je ne vais pas vous donner un modèle, mais je vais vous faire des propositions sur lesquelles on va discuter, puisque ça va être interactif. Et on va essayer juste de faire en sorte que systématiquement vous preniez aussi du plaisir à vous échauffer parce que souvent, quand je discute avec des joueurs, que ce soit du Vaudreuil ou des joueurs de Bois-Guillaume ou d'ailleurs, eh bien, souvent ils négligent cette partie et souvent ils me disent ah, j'ai pas trop le temps. Et puis la partie technique est souvent prépondérante sur la partie physique. Alors, je voudrais pas manquer de respect à Guillaume qui va intervenir sur tout à l'heure sur la partie technique, mais la partie physique, elle est pour ma part au moins équivalente. Puisque si le corps ne fonctionne pas bien, techniquement, vous n'arriverez à rien. Allez, c'est parti, j'arrête de parler. On va partir tout simplement du petit carré magique. Le petit carré magique, c'est le lieu où vous allez vous trouver quand vous arrivez aux practices. Quels que soient les golfs, souvent, on a un espace relativement réduit. Et donc, sur cet espace réduit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux m'organiser de façon à rentrer dans l'activité, être prêt à agir et avoir des sollicitations neuromusculaires? Parce qu'on n'oublie pas qu'il va falloir aussi être vigilant. Donc, la vigilance, c'est ne pas rater son premier coup. Alors, je suis sur mon tapis de practice, d'accord? Un carré. Donc, je vais commencer tout simplement. Eh bien, on va partir. Hop, je passe devant. Petit saut. Hop, voilà. Et je vais tout simplement faire les quatre coins de mon carré en me déplaçant et en faisant des petits jumps. Voilà. Donc ça va permettre d'élever tout simplement la fréquence cardiaque. Ça va permettre de mettre le corps en train. Voilà. Et je vais faire jusqu'à un essoufflement, jusqu'à une sensation de chaleur. Je reviens vers le centre. Ça peut être, j'ai une corde à sauter. D'accord? J'ai une corde à sauter dans mon sac. Voilà. Corde à sauter qui ne prend pas, on ne voit pas bien. Hop là. Voilà. Ça se roule dans le sac. Ça permet éventuellement. J'ai pas de corde à sauter. Allez, c'est parti. Voilà. Donc je vais mimer. Je peux partir aussi en jumping jack flash. Je gêne personne, je suis sur mon tapis, voilà, et je rentre dans l'activité. Donc on va élever la fréquence cardiaque, ça va permettre tout simplement au sang de bien circuler,
et je l'éveille jusqu'au cerveau. Ça va éveiller la vigilance, d'accord? Je vais rentrer dans l'activité. Lorsqu'on est sur ce carré, d'accord? On a fait du cardiaque, voilà, on est bien. Alors, j'ai fait un petit accéléré parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. On va le faire durer en fonction évidemment de la température extérieure, en fonction de ce que j'ai fait le matin, comment je me suis réveillé. Et je tiens à dire quand même, c'est qu'on parle trop peu ou pas assez souvent du lower cross syndrome. Le lower cross syndrome, c'est tout simplement cette sédentarité, cette inactivité qu'on a tous, c'est-à-dire on va manger assis, on va conduire, d'accord, on va aller travailler, et systématiquement, on va se retrouver dans cette position où on va avoir des tensions derrière, un relâchement devant, d'accord. Pareil pour les fessiers et le psoas. Et en fait, cette position, généralement, le golfeur, il sort de la voiture, il va arriver au practice et bing, tout de suite, il va commencer. Alors, il a dit, oui, mais je m'échauffe avec des petits wedges. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé avant, c'est que toute la journée, il y a eu des tensions, des contraintes, du relâchement, relâchement abdominal. L'importance du psoas, des abdos et du fessier dans le swing de golf, on n'en parle pas. Guillaume en a suffisamment parlé, Cyril aussi. Donc, il va falloir forcément mettre en activité, créer une dynamique de façon à tout de suite être, dès le trou numéro 1, très actif. Alors, une fois que je suis rentré dans mon cardio, eh bien, je vais rester sur mon petit carré. Et là, tout simplement, je vais partir. Hop, une petite fente, une fente latérale. Voilà. Et tout simplement, hop, je vais faire mon petit carré. Voilà, sans forcer, à mon rythme. Je vais changer de jambe au fur et à mesure. Je vais revenir sur le centre. On va partir sur des petits squats. Voilà. On va faire travailler la chaîne postérieure. On la met en éveil. On se réveille. Voilà, on réveille les hanches, on réveille les fessiers, on réveille tout ça. Une fois que je suis sur ce carré, d'accord, vous avez vu que les possibilités, elles sont énormes. On peut très bien, ensuite, alors ça évidemment, je vous le conseille, un petit élastique, sinon, vous avez évidemment un club à disposition. Le petit élastique, il va permettre tout simplement de finaliser, d'accord, ce petit échauffement. Alors, ici, on va partir. Voilà, tout doucement, devant, les petits exercices que vous allez pouvoir faire pour dynamiser, stimuler le haut du corps, tout ce qui est scapulaire. Vous allez avoir des exercices où on va, ici, voilà, travailler sur l'échauffement du haut du corps, les épaules. Je vous préfère d'autres propositions après. Voilà, vous avez évidemment ici, voilà, juste devant, on peut travailler les exercices là, on va travailler derrière, voilà, on va travailler ici, je vais chercher, hop, voilà, les petits exercices que vous avez vus. Là, on est resté sur le carré magique, d'accord, je suis sur ma zone de practice, je ne gêne pas les joueurs qui sont à côté, voilà, je reste dans ma bulle, je me prépare. Évidemment, vous avez la possibilité avec le club aussi de partir. Voilà, on voit souvent Tiger Woods, d'accord, qui aime jouer avec son club. Là, ici, hop, il est souvent là. Il aime bien aussi derrière, souvent. Voilà, quand il a tapé quelques balles, il aime bien un petit peu se rappeler qu'il y a besoin de stretcher. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petits exercices. Je ne vais pas passer toute la panoplie. Je pense que tout à l'heure, ça sera interactif, donc ça permettra de m'en mettre en situation. Je vais vous faire une autre proposition où là, pour ceux que ça ne dérange pas, on va travailler au sol. C'est-à-dire que je vais prendre ma serviette, voilà, et on va faire, alors on peut appeler ça un petit cheminement, une petite chorégraphie, parce que la manière de s'échauffer, c'est à la fois du cardio, je vous l'ai dit, d'accord, par rapport à l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et après, derrière, aujourd'hui, il faut savoir aussi que la notion d'automassage, on va parler, Cyril en a parlé, Cyril Le Guadigo en a parlé, dans la préparation à l'effort, dans la récupération, dont on parlera tout à l'heure certainement avec Guillaume aussi. Donc, notion d'automassage, de mobilité, d'accord? Donc, du cardio, du gainage, de la mobilité et automassage. Donc là, je vais partir sur un petit cheminement où je vais me mettre tout simplement en gainage, voilà. Donc, je suis sur ma serviette, je suis toujours sur mon carré, voilà. Je vais me faire 30 secondes. Je sens que ça chauffe bien au niveau des abdominaux, ça chauffe bien au niveau des fessiers. Et là, je vais rentrer en dynamique. Voilà. Quelques petits peu devant, derrière. Alors, je vais vous le faire à l'accéléré. Une fois que je suis là,
Je vais passer en appui facial. Appui facial, ça va me permettre ici, voilà, de travailler sur les poignets. Mettre un petit peu de corps. Voilà, je mets du poids de corps. Je me positionne, toujours faire attention à mon gainage. Et puis hop, je vais toucher un petit peu les épaules. Je peux descendre sur les coudes, remonter. Ici, je vais profiter de cette position pour, hop, travailler sur un peu de mobilité. Je vous fais tout ça en accéléré. Voilà. On va avoir ici des petites ouvertures que vous allez évidemment faire de chaque côté. Je repasse sur la position. Hop. Je vais me relever ici et je vais redescendre. Voilà, je garde bien les talons au sol. Hop là, je rentre dans l'activité. Ok, ça 3, 4 fois, 5 fois en fonction de ce que vous avez envie de faire. Puis là, on va mettre des petites fentes. On va venir ici. Hop, voilà. Et tout ça de chaque côté. Alors, si on regarde bien, on s'est mis sur son carré. On a fait du cardio. 1 minute, 2 minutes, corde à sauter, en fonction de votre âge, en fonction de vos besoins, en fonction de vos projets. D'accord? Donc, c'est vous qui allez décider du temps que vous allez accorder. Évidemment, moi, je préconise toujours le maximum. C'est-à-dire que sur le cardio, c'est bien de faire éventuellement 30 secondes. Récupération 15 secondes, 30 secondes, récupération 15 secondes, et faire 1 minute 30, 2 minutes de cardio. Ensuite, vous avez vu tous les exercices de mobilité, les fentes, les squats, d'accord? Les fentes latérales, ça peut être des squats où je vais mettre un petit peu de saut pour vraiment dynamiser. Et puis tout doucement, je vais passer de la méthodologie où je suis parti du bas du corps et je suis remonté sur le haut du corps. Voilà. Guillaume? Super, très intéressant, on apprend plein de choses. On a des questions. On a pas mal de questions qui sont des questions pertinentes. Alors déjà, je rebondis, on te voit boire de l'eau, ce qui est à mon avis primordial de toujours avoir avec vous une bouteille d'eau. C'est, tu vas dire le béaba, mais je réinsiste parce que c'est très, très important. Hydratez-vous et ça, c'est super important. On a plein de questions qui sont assez intéressantes. Et on va commencer par des gens qui nous posent la question, Donna, de est-ce qu'on peut, toi tu le fais au practice, est-ce qu'on peut aussi s'échauffer chez soi avant d'arriver? Quelle pertinence ça a de s'entraîner chez soi avant d'arriver? Est-ce qu'on arrive et est-ce qu'on va être froid pour résumer? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que votre corps et les habitudes, alors évidemment, c'est pas parce que vous allez faire 5 minutes d'échauffement ou 10 minutes d'échauffement ou un quart d'heure d'échauffement que d'un seul coup, on va régler tous les problèmes physiques. Donc évidemment, les habitudes, elles se prennent au quotidien, dans l'assiette et dans la pratique physique. Et surtout, on donne des habitudes au corps. Ça veut dire que le corps, il a besoin de se réveiller. On sait très bien que Tiger Woods, quand il a un départ à 8h du matin, il va se lever à 3h du matin. D'accord ? Il a besoin de réveiller son corps, il a besoin de rentrer dans ses routines. Alors, c'est chacun doit se connaître. Il y a des joueurs du matin, des joueurs de l'après-midi. Et plus on va aller dans la compétition, plus on va dans la performance et plus on va devoir être très pointilleux. C'est-à-dire qu'un joueur loisir, sans manquer de respect à personne, mais qui est entre 18 et 30 d'index, qui n'a pas d'ambition, la cinquantaine, eh bien, il n'a pas besoin de se lever à 3 heures du matin. Par contre, il va avoir besoin quand même de rester toujours dans cette vigilance physique, c'est-à-dire donner des habitudes et pourquoi pas le matin à 8 heures faire des exercices. Non pas d'étirement, mais de mobilité. La différence, s'il y a des questions par rapport à mobilité et étirement, j'en parlerai après. Mais toujours créer cette dynamique et cet éveil musculaire, cet éveil neuromusculaire. C'est-à-dire que plus vous allez vous mettre en situation et plus le parcours va se passer avec réussite et plaisir. Je rebondis là-dessus, Donna. Je rebondis là-dessus avant d'aller sur la question de Philippe Vive, mais qui est la même. Est-ce que l'on peut faire ces exercices à la maison après déjeuner avant de partir et refaire un échauffement plus léger? Tu viens de valider, oui, sans problème. Là où moi, j'aimerais vraiment rebondir, c'est sur ce que tu dis. Si, et d'où l'intérêt aujourd'hui de cet échauffement
que bien évidemment, comme le dit Donna, vous devez adapter à votre âge, à vos ambitions, à plein de choses, au temps que vous avez. Mais nous, bien évidemment, on a envie de vous en donner beaucoup et qu'à la limite, vous en retiriez plutôt que de ne pas vous en donner assez. En tout cas, ce qui est pour moi primordial, c'est si vous arrivez au golf, que vous n'êtes pas échauffé physiquement, vous risquez de vous faire mal. Vous risquez de vous faire mal dès les premières balles de practice. Et si on va encore plus loin, que vous n'êtes pas échauffé comme vous l'a montré Donna, ensuite que vous ne tapez absolument aucune balle et que vous arrivez directement au départ du 1 et que vous espérez bien jouer, ça marche pas comme ça. On aimerait tous, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, un joueur professionnel, même si, j'insiste, aujourd'hui, on veut vous parler à vous, joueur amateur qui jouait le week-end entre amis et c'est que du plaisir et pas forcément de la performance. Néanmoins, un joueur professionnel aujourd'hui arrive au golf au moins 1 heure et demie avant. Il a ses échauffements, comme l'expliquait Donna, pour, je dirais, réveiller le corps, plus que réveiller le corps, échauffer le corps. Et ensuite, il va passer à un échauffement plus technique, plus mécanique. On va en parler ensemble tout à l'heure. Pour être prêt dès le tee du 1, pour être prêt dès le premier coup, j'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas échauffé au départ du 1, il va vous falloir quelques trous pour vous échauffer, sauf que les premiers trous, peut-être, auront été négatifs et vont vous avoir mis dans une position de perte de confiance avec déjà des mauvais scores et une mauvaise dynamique. Donc, j'insiste, l'échauffement, à la fois pour ne jamais vous faire mal et de deux, pour être prêt dès le premier coup. N'attendez pas d'être au 7 ou au 8 pour être performant. Arriver une demi-heure avant au golf, arriver 1 heure avant au golf, pour être prêt dès le trou numéro 1, nous assistons énormément avec Donna là-dessus. D'autres questions, Donna? Question de Véronique Mellet. Ce serait bien que les clubs aménagent une zone d'échauffement, qu'en pensez-vous? On en pense, Donna, je vais te laisser répondre, on n'en pense que du bien, mais Véronique, j'insiste sur ce qui est super pour moi, selon, d'après moi, c'est Donna vient de vous expliquer comment vous échauffer sur votre tapis de practice. Et vous n'avez besoin, avec tout ce qu'il vient de vous montrer, que de votre tapis de practice, que de cette zone-là pour pouvoir vous échauffer. Donc oui, des zones aménagées pour l'échauffement, ça serait bien, surtout pour s'étirer. Surtout, je dirais, après les parties, pour avoir ce moment d'étirement après les parties. Mais j'insiste, Donna vient de vous expliquer juste sur votre tapis de practice, vous avez assez d'espace pour être parfaitement échauffé dès votre premier coup. Tu es d'accord avec ça, Donna? Alors, j'ai envie de faire un petit parallèle. Écoute, aujourd'hui, on parle beaucoup de gestes barrières et d'éducation. Le rêve d'un préparateur physique et d'un amoureux du golf comme tu l'es, ça serait évidemment que le passage obligatoire lorsqu'une personne arrive au golf, elle puisse passer d'avoir un espèce de chemin obligatoire où elle serait obligée de passer avec des gestes barrières, où elle passerait forcément par un échauffement dans une salle de gym dédiée où elle aurait des exercices obligatoires à faire. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai trop souvent, j'ai la chance de m'occuper d'une équipe de golfeurs avec lesquels on fait la vie amateur, etc. Et trop souvent, ils me disent les bienfaits que ça peut avoir lorsque je m'occupe d'eux. Ça peut être des petits exercices où on va marcher en canard, où on va faire des exercices pour de la mobilité des hanches et tout ça, des choses marrantes sur lesquelles on va s'amuser, on va prendre du plaisir à le faire. Et ils trouvent ça génial. Et souvent, à la fin du parcours, ils me disent: ah, je me suis senti bien tout de suite. Et je lui dis: mais pourquoi tu ne le fais pas à chaque fois? Et en fait, on s'aperçoit, et je pense que tu vas en parler juste après, c'est que les contraintes techniques, l'angoisse de la socket, l'angoisse du push, l'angoisse du pull, etc., font que souvent on néglige cette partie. Et je voudrais juste dire que à partir du moment où votre corps est bien éduqué, à partir du moment où votre corps a les bonnes sensations, c'est-à-dire que vous l'avez mis dans les meilleures dispositions, techniquement, vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est-à-dire que vous savez swinguer. C'est-à-dire qu'on sait, des joueurs qui, au practice, généralement, disent: mais ça se passait bien au practice. L'angoisse amène de la tension et cette tension amène à des fautes techniques. Et elles sont souvent, elles peuvent être gommées par une vraie préparation physique. Pardon, je recommence, ça avait coupé. On va reprendre une dernière question, Donna, et ensuite on va s'échauffer techniquement, même si pour moi la deuxième partie de mon intervention aujourd'hui sur ce Facebook Live va être moins importante que la première. Si vous devez faire le choix entre Donna et moi, c'est-à-dire entre Donna, la partie échauffement physique, et moi, ma partie plus mécanique, choisissez Donna.
Je préfère que vous arriviez au départ du 1 avec un corps échauffé, même si la mécanique n'est pas très chaude, qu'au contraire d'arriver directement au practice, vous avez 3 minutes, vous prenez le drive. Là, c'est la pire des choses que vous puissiez faire pour vous faire mal. Il n'y a rien de pire. Donc, privilégiez toujours le fait de réveiller votre corps, même si votre technique, elle, n'est pas réveillée. Question un peu plus touchy pour finir de Mathieu Bay, excellent pro de Bordeaux. Si je viens au golf pour m'entraîner au putting, ai-je besoin d'un tel échauffement physique? Sinon, existe-t-il un échauffement neuro pour mettre en éveil notre mental, notre cerveau? Question plus touchy. Nana. Alors, moi, je serais tenté, c'est très personnel, de dire que j'ai parlé tout à l'heure de vigilance neuromusculaire. Je pense qu'il y a une mécanique, même s'il y a beaucoup de feeling dans le putting, il y a une vraie mécanique. Et l'échauffement cardio, d'accord? La maîtrise d'un très haut niveau cardio, elle va permettre justement de rentrer dans une bonne dynamique d'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, être capable de parler, quelqu'un qui ne serait pas sportif, mais quelqu'un qui va devoir parler, un conférencier, ou quelle que soit l'activité, le cardio est prépondérant. C'est-à-dire que à partir du moment où on va rentrer dans un échauffement où on va justement maîtriser ces fréquences cardiaques, c'est-à-dire les mettre à un certain niveau pour les faire redescendre derrière, ça va permettre de rentrer dans l'activité. Donc oui, pour le putting, quelle que soit l'activité, pour le petit jeu, etc. Je préconise toujours que le corps soit le plus échauffé possible. Donc, je ne peux pas dire que je maîtrise tout dans tout ce qui est aspect mental, mais je sais juste qu'à partir du moment où le corps va bien, généralement le reste va bien. Donna, merci mille fois. Tu as été comme d'habitude parfait. C'était clair, précis. Moi, ce que j'adore dans ce que tu nous as dit, c'est que vous pouvez vous échauffer sur votre tapis de practice. Et ça, c'est génial. Pas besoin. Alors, tu as utilisé dans la première séance, tu as utilisé quelques outils, mais même sans outils avec votre club, un tapis de practice, vous pouvez être parfaitement échauffé pour taper votre premier coup. Et ça, c'est génial. Donna, génial. On a passé une demi-heure formidable avec toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos internautes? Bah, juste dire que j'ai balayé, j'ai survolé et qu'il y a énormément de choses à faire pour s'échauffer et que c'est très ludique et qu'il faut juste donner un. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sous la contrainte, ne faites jamais des échauffements qui ne vous parlent pas. C'est-à-dire que la sensation, la sensibilité que vous avez par rapport à votre corps, elle est très importante. Donc faites ce que vous aimez faire, ayez des routines. Discuter avec les gens autour de vous, aller voir des vidéos. Là, évidemment, j'ai survolé, c'est-à-dire qu'il y a des gens derrière qui doivent se dire, oh, ben, oui, forcément, je ne peux pas tout faire, mais il y a 400 000 pratiquants, il y a 400 000 façons de s'échauffer, il y a énormément de choses. J'ai juste envie de dire, prenez du plaisir. La seule chose, c'est prenez du plaisir à vous entraîner, prenez du plaisir à jouer au golf, et vous verrez que la performance, elle suivra forcément derrière. Lisa Solano, qui est une de nos fidèles internautes, qui suit beaucoup de nos lives. Super encore une fois, merci. Jérôme Bourgeois, merci Donna. Enfin, beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient et nous remercient. Bien évidemment qu'on a aujourd'hui survolé, mais ce qui était important, je pense, Donna, c'est d'expliquer qu'en peu de temps, les gens peuvent s'échauffer. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que sur votre tapis de practice, avec très peu d'outils, vous pouvez vous échauffer. Bien évidemment, on pourra refaire parce que les lives quotidiens, on dirait même 3 fois par jour du Journal du Golf vont s'arrêter, mais nous allons continuer à produire des Facebook Live où nous irons encore plus dans les détails de certaines choses. Et bien évidemment, probablement que Donna aura 1 heure complète uniquement pour lui, pour vous expliquer exactement en détail comment faire. Mais l'objectif, c'était en 1 heure, ce qui est long mais très court, à la fois de pouvoir, je dirais, rentrer brièvement dans l'échauffement physique et brièvement avec moi dans l'échauffement mécanique, mais que vous ayez une idée déjà de ce qu'il est possible de faire en 1 heure. Donna, merci mille fois. Tout le monde est Merci, je ravi. reste avec toi, Guillaume. Écoute, je vais écouter tes conseils et je vais suivre. Voilà, je suis avec toi, je reste avec toi. Avec grand plaisir.
Nous allons maintenant nous retrouver au practice et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous échauffer, je dirais de manière simple, rapide, pour pouvoir être prêt. Réveiller, je dirais, un peu votre mécanique, vos sensations, pour, et ça c'est ce qui est le plus important, arriver au départ du 1, parfaitement échauffé, pour que le premier coup, pour que vous soyez, pardon, efficace dès le premier coup, que vous n'ayez pas besoin d'arriver au 7 ou au 8 pour être échauffé, que dès le premier coup, vous soyez en pleine possession de vos moyens. On y va? Allez, c'est parti. Alors, je ne vais plus vous voir, mais je pense que vous me voyez, en tout cas, j'espère. Et comment je vais commencer? Très simplement, je me suis donc échauffé, je dirais, en suivant les conseils de Donna. Et à partir de là, je vais me réveiller physiquement et surtout me réveiller, pardon, non, physiquement c'est fait, me réveiller techniquement. Et la première chose que je fais, je prends le club le plus ouvert du sac et ma première priorité va être de trouver un contact, que dès mes premières balles, je trouve un contact sympa et que je réveille mes sensations. J'insiste, que je réveille mes sensations. Tout à l'heure, Donna vous parlait de cette fameuse proprioception où vous allez un petit peu vous aussi réveiller votre corps d'un point de vue sensation. Là, c'est pareil. Je prends un club et la première des choses, c'est de faire des tout petits chips pour retrouver un contact et sentir que je vais bien centrer la balle et que ça soit agréable, rythmé, sans aucun effort. Je vais commencer progressivement à 10-15 mètres devant moi et au fur et à mesure, je vais augmenter mon amplitude. Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? C'est important. Petit pouce si vous me voyez bien. Je vérifierai. Donc, vous voyez, là, je vais faire en gros une quinzaine de coups de sandwich. Pourquoi? Parce que c'est primordial pour moi que de réveiller mes sensations calmement. Avec des petits coups. Vous voyez que je ne fais absolument aucun effort. Et je vais taper une quinzaine de coups de sandwich parce que pour moi, c'est extrêmement important d'avoir l'équilibre, le contact et de sentir que mon contact est bon. Et progressivement, je vais monter en gamme. Après avoir tapé mon sandwich le plus ouvert, je vais taper quelques coups de fer neuf. Là aussi, extrêmement calmement. Juste en réveillant mes sensations, sans effort, de sentir que je m'échauffe, que le contact là aussi est bon, que mon équilibre est bon, et je tape. Ok, là je sens que je suis échauffé, que je commence à être échauffé. Donc, je vais retirer. Tenue de pluie, je commence à être chaud. Et là, je vais rentrer dès le départ dans un mode jeu un peu plus important. Donc, je suis échauffé et je commence dès le départ à trouver une cible. Et par exemple, la cible, pour moi, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a un piquet bleu et blanc, donc ça va être cette cible-là. Et là, je me mets dans un mode un petit peu plus proche du jeu. Donc, je sais que je vais viser cette cible. Okay. Une ligne parallèle pour mes pieds pour être sûr d'avoir un alignement cohérent très rapidement dans ma séance. Donc, j'ai cette tête au sol visuelle. Et là, même avec un petit club, je commence à viser. Chose que j'ai oublié de vous dire au départ, favorisez toujours le fait de taper sur l'herbe quand vous le pouvez. Là, par rapport à mon installation aujourd'hui, je me suis mis bien évidemment à l'intérieur. Favorisez toujours l'herbe si vous pouvez, le plus proche du jeu possible. Plus votre entraînement sera proche de ce que vous avez besoin de faire sur le parcours, mieux ça sera. Donc là, quelques coups de fer neuf, je sens que je commence à être échauffé et j'intègre très, 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 très vite dans mon échauffement une routine. Comme je le dis, comme je me répète souvent, ma priorité est d'être le plus proche possible de ce que je vais faire sur le parcours. Ok, je monte un peu en gamme et je vais taper maintenant après le fer 9, quelques fer 7.
Pour la petite histoire, petite indication, c'est mon fonctionnement. J'aime bien passer sandwich 9, 7, 5, 3, bois 3, driver. C'est mon fonctionnement. On va le faire très rapidement aujourd'hui parce que je suis là aussi pour répondre à vos questions. Pour la petite histoire, un joueur comme Colin Montgomery à l'époque avait lui ce process de taper uniquement deux balles par club. Donc il passait du sandwich jusqu'au driver, il tapait deux balles par club. C'était lui son process. Vous devez trouver, vous, votre process, c'est très important. Donc, moi, mon process, sandwich, fer 9, fer 7, je vais encore taper un ou deux fer 7, toujours le même axe. J'insiste, j'intègre ma routine. C'est très, très important. Je suis en relation avec la cible. L'objectif n'est pas uniquement de taper des balles, il est aussi, je me répète, d'être le plus proche possible du parcours. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Me voit bien? Super. Et on va aller un petit peu plus loin. Je me suis échauffé, je suis monté jusqu'au fer 7. J'ai tapé bien évidemment aussi quelques drives. Ça fait longtemps que je n'ai pas tapé de drive d'ailleurs. Je vais en taper un ou deux. Et ensuite, je vais vous expliquer la fin de l'échauffement. Donc là, je suis vraiment sur la fin de mon échauffement. Et je dois être le plus proche possible du parcours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer mes baguettes qui m'ont aidé à avoir un repère au départ, mais je n'aurai pas ces baguettes sur le parcours. Donc là, pour finir mon échauffement, je vais taper quelques coups sans baguettes. Un ou deux drives. Pareil, une routine, comme si j'étais sur le parcours. J'insiste sur la routine, comme si vous étiez sur le parcours. Et je tape. Et quand j'ai fini, voilà ce que je fais. Je me suis échauffé et comme je vous le répète très souvent pendant ces lives, moi, ma priorité, que ce soit à l'entraînement ou à l'échauffement, c'est que vous soyez le plus proche possible de ce que vous allez faire sur le parcours. Donc là, je range mon driver. Il me reste une petite dizaine de minutes au practice. Voilà ce que je vais faire. Je vais jouer quelques trous. Par exemple, je vais commencer au trou numéro 1 du golf du Vaudreuil, qui est un dogleg gauche assez prononcé, où ce qui est très important, c'est de mettre une mise en jeu à peu près entre 200 et 220 mètres, pour ensuite avoir une attaque de green importante. Donc, je vais jouer ces trous-là pour me préparer et pour, quand je vais arriver au départ du 1, être complètement prêt. Donc, moi, je sais qu'au trou numéro 1, au Vaudreuil, je vais avoir un fer 2 à taper. Et là, dès le practice, je me prépare complètement à jouer le trou numéro 1. Donc, je vise. Pour moi, le milieu du fairway va être la cible. Altus Performance au fond du practice. Et là, comme si j'étais sur le parcours, je me prépare, je visualise et je tape mon coup. Bon, alors, ça serait bien que j'évite de faire celle-ci sur le parcours. Elle est à gauche. Comme le coup n'est pas réussi, je suis à l'entraînement, il faut que je parte d'ici en ayant de la confiance. Donc, je recommence. OK. Ok, celle-ci est bien. Et là, je suis ravi parce que je vais arriver au trou numéro 1. J'ai tapé un bon coup. Donc, ce bon coup, je le garde en tête pour arriver sur le départ du 1 en étant plein de confiance. Je viens de taper le coup dont j'ai besoin au départ du 1. Super, je l'ai, il est dans ma tête et je viens de le réussir. Donc, d'un point de vue confiance, c'est très important. Je sais qu'avec ce coup-là, le deuxième coup, ça sera probablement un coup de fer 8. Donc, pareil, je joue mon coup de fer 8. Très simplement, en essayant par contre de commencer à changer d'axe sur le practice pour pas toujours avoir le même axe et m'aider des lignes du tapis. Donc là, je vais jouer la cible, l'axe de la cible du Vaudreuil qui est tout au fond à gauche. Et je me mets dans un axe différent pour tout de suite être dans des conditions de jeu où les lignes de practice ne m'aident plus trop. Et là, j'ai tapé des coups qui m'ont permis de m'échauffer, mais aussi de me mettre en confiance. Et ça, c'est super important. La séance de practice, comme on l'a vu avec Donna, de ne pas vous faire mal. Que vous soyez réveillé physiquement et techniquement. Et que cette séance de practice vous ait donné beaucoup de confiance. Préparez-vous comme vous étiez à la fin, comme si vous étiez sur le parcours. Et là, j'ai fait un ou deux trous. Aucune raison de ne pas en faire trois ou quatre ou de faire un trou que vous n'aimez pas. Je dis n'importe quoi, le trou numéro 3 à Vaudreuil qui est un par 3. Petit green, les gens ont tendance souvent à louper à droite.
faites quelques coups avant de partir. Et si vous jouez sur n'importe quel autre golf, pensez à un trou que vous aimez un petit peu moins bien et gagnez ce trou, réussissez ce trou avant même d'y aller. Réussissez ce trou sur le practice avant d'y aller en jouant ce coup pour vous donner de la confiance. Allez, je réponds à quelques questions. Pareil que Donna, ça a été assez rapide, assez bref. Ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est qu'une séance de practice n'a pas uniquement le but de taper des coups. C'est aussi l'objectif, et j'insiste, de vous donner de la confiance. Alors, première question, Régis Bertrand, que c'est beau ce bruit du club qui claque la balle. Merci Régis. Vous allez avoir la même chose. Nous espérons dès lundi. Dès lundi, vous allez pouvoir avoir vous aussi cette sensation qui, effectivement, est merveilleuse. C'est génial. Anne-Marie, Nathan, très bonne question. Si plusieurs balles ratées avec le même club, taper une balle avec un club qu'on réussit mieux ou continuer jusqu'à avoir la bonne balle? Vous pouvez passer d'un club à l'autre. Si vous ne réussissez pas avec ce club-là, prenez un club, reprenez de la confiance avec un autre club et revenez sur ce club avec lequel ça ne va pas ensuite. N'hésitez pas, Olivier Menoud, doucement sur le drive. Absolument, Olivier. Absolument, parce qu'autrement, je vais avoir besoin de toi. J'ai besoin de toi, Olivier, qui est un ostéopathe extraordinaire et qui m'aide beaucoup. Autrement, je ne pourrais pas jouer. François-Éric Delaunay, très bonne question. Fais-tu monter le rythme cardiaque pendant l'échauffement? Absolument, absolument. Et c'est pour ça que je commence par des petits sandwichs qui ne nécessitent pas énormément d'énergie et je finis par le drive. Enfin, je finis par le drive. Et je mets quelques drives où vraiment je les tape le plus fort possible quand je sens que je suis échauffé pour que le rythme cardiaque monte. C'est une super question, François-Éric. Et vous n'avez pas idée à quel point le rythme cardiaque peut s'accélérer au practice. Et surtout avec le driver. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc oui, faire monter le rythme cardiaque, c'est important parce que sur le parcours, si vous êtes dans une situation de stress, le rythme cardiaque monte. Donc c'est bien de s'y préparer au practice avant. Tout le monde me demande dès lundi. Oui, j'espère dès lundi. Autre chose au niveau donc l'entraînement, on a dit qu'il y avait beaucoup de confiance. Il n'y a pas eu cette question et je pensais qu'elle viendrait. De séances de practice catastrophiques ou de séances de practice extrêmement réussies. Et je voudrais juste en parler un tout petit peu avec vous, car ça a une influence extrêmement importante. Combien de fois vous avez fait, j'ai besoin de vous et j'ai besoin que vous répondiez à cette question. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà eu des séances de practice absolument géniales? Et pourtant, en très mal joué. Oui ou non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Practice magnifique, parcours catastrophique. Oui ou non? Alors, j'attends votre réponse. En attendant votre réponse, une petite. J'ai bien aimé Enzo. Guisto, l'importance de la routine sur les premiers trous du parcours pour rentrer dans sa concentration. Là, c'est absolument génial cette question. L'importance de la routine sur les premiers trous du parcours pour rentrer dans sa concentration. Et je vais aller plus loin. L'importance de la routine au practice avant d'aller sur le parcours pour rentrer dans sa concentration avant les premiers trous, Enzo. Donc je suis d'accord, mais moi je fais ça au practice. C'est ce que, depuis tout à l'heure, vraiment c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez être dans votre bulle dès le practice pour être concentré, je dirais le premier, voilà, pour mieux résumer, c'est ça. Votre premier coup au 1 doit être la continuité de ce que vous avez fait au practice. Que ça ne soit pas quelque chose de nouveau parce que vous vous y êtes préparé. Donc vous êtes super nombreuses et nombreux à me dire, alors l'inverse, on va en parler, à me dire oui en réponse à ma question qui était pour ceux qui nous rejoignent juste, est-ce que vous avez déjà eu des super séances de practice et sur le parcours, ça a été catastrophique? Oui. Et inversement, après je répondrai à ça, l'inverse aussi, Claire Césari, et le contraire aussi, Yannick Colombier. Et alors, absolument, dans les deux sens d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi, Johan Hazard. Absolument, deux fois sur trois, David. Inversement, bonjour Lionel dans Nextergen. Bonjour Lionel, j'espère te revoir dès lundi Lionel. Inversement aussi, oui, et moi j'aimerais vous donner mon opinion par rapport à ça.
En général, parce que ça m'est arrivé des dizaines de fois, séance de practice magnifique, extraordinaire, tout va très bien. Alors là, on se dit aujourd'hui, je vais casser le parcours. Et en général, c'est le parcours qui nous casse. Et inversement, de temps en temps, la séance de practice est catastrophique et pourtant, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'on a des attentes et on a une stratégie qui est complètement différente. Je m'explique. Vous avez tapé magnifique, hein? Vous avez tapé magnifique, pardon, au practice. Vous arrivez au deuxième coup du 1, le drapeau est collé au fond à gauche du green. Et là, vous vous sentez pousser des ailes parce que, bien évidemment, ça s'est passé magnifique au practice. Là, vous attaquez un petit peu le drapeau qui est vraiment 2 mètres au bord gauche et vous savez que derrière le green, c'est la catastrophe. Sauf que, comme je le disais, vous volez tellement vous avez fait une séance de practice magnifique, vous êtes un tout petit peu agressif sur ce drapeau. La balle rebondit 1,50 m sur un coup de fersette derrière le drapeau, ce qui est un coup qui est très bon, mais très mal réfléchi. Elle vient se mettre dans le rough derrière, vous arrivez, votre balle est enfouie. Le chip est très compliqué, vous avez du mal à vous mettre sur le green et vous faites double bogey dès le 1. Après une séance de practice magnifique et avoir tapé un très bon coup de fersette. Exactement la même situation, vous avez ce coup de fersette à taper au deuxième coup du 1 avec le drapeau au fond à gauche et vous venez de faire une séance de practice catastrophique. Et là, tout d'un coup, oulala, ça va mal. Allez, je me mets sur le green, je prends deux putts. Et là, vous tapez un coup de fersette à peu près pas terrible, mais en tout cas, vous avez visé correctement et vous avez eu une réflexion beaucoup plus, je dirais, calme, beaucoup plus douce en visant le milieu du green. Et ce coup moyen, il vient juste rouler sur le green, beaucoup moins bon que le très bon coup, sauf que comme la réflexion était bonne, vous êtes au milieu du green, vous prenez deux putts et vous faites quatre. Et ça, c'est primordial. C'est l'énorme différence entre le joueur professionnel et le joueur amateur. L'énorme différence, c'est que le joueur professionnel, de temps en temps, il est beaucoup plus conservateur quand le coup est difficile. Et que le coup, vous allez le voir différemment en fonction de votre séance de practice. Et ça, c'est pas normal. Il faut que vous ayez une stratégie qui reste assez cohérente. Et c'est pour ça que je vous posais cette question. Parce que beaucoup trop souvent, quand on sort d'une séance de practice où tout s'est bien passé, on a un jugement qui n'est pas le même que si elle s'est mal passée. Elle s'est mal passée, on est super conservateur, on vise les milieux de green, on fait les choses supra simples, hyper simples, et ça se passe en général bien. Et la séance de practice s'est passée magnifique. Et là, on se prend toutes et toutes pour Tiger Woods, moi le premier. On est beaucoup trop agressif, on fait des choix qui ne sont pas les bons, malgré le fait d'avoir de bons contacts de balle, et les scores s'en ressentent. Donc, il ne faut pas que votre séance de practice ait une influence capitale sur votre manière de jouer sur le parcours. Il faut que votre stratégie reste la même, soit toujours, pour moi, la plus simple possible. Beaucoup de milieu de green, beaucoup de le drapeau est au fond, on joue court, le drapeau est court, on joue long, que des choses extrêmement simples. Mais j'insiste beaucoup sur le fait, trop souvent, votre séance, la qualité de votre séance de practice influence trop vos choix stratégiques et on a trop souvent cet écart. J'ai mal tapé au practice, pourtant j'ai bien joué parce que vous avez fait simple. Je tapais magnifique au practice, j'ai mal joué parce que vous avez bien tapé, vous êtes devenu trop agressive ou agressif et ça s'est moins bien passé. Très très important. Exactement. Jacques Taïeb, très bonne séance au practice, fait perdre aussi sa modestie sur le parcours. C'est exactement ça. Alors, j'irai pas, je me permettrai pas de parler pour vous toutes et vous tous de votre modestie, mais en tout cas de votre lucidité, Jacques. J'utiliserai plutôt ce mot lucidité, où quand vous êtes, si vous faites une séance de practice incroyable, vous vous sentez pousser des ailes, vous êtes hyper agressive et agressif, et ça se passe en général pas très bien. Faites simple. C'est ça, Enzo. Le parcours, c'est l'analyse bénéfice-risque. Toujours choisir le moindre risque pour faire la meilleure carte. Absolument. Et je me répète par rapport à notre sujet du jour, la routine. Faites des choses simples, même si, j'insiste, même si la séance de pratique s'est très bien passée. Pierre Lacombe, qui nous vient du Québec, fidèle auditeur, est-ce que tu places un bâton d'alignement au sol lors de ta pratique préparatoire au match ou non? Oui, Pierre, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Alors, je vais aller un petit peu plus loin d'ailleurs dans ce descriptif, si vous êtes d'accord. Je m'organise de plusieurs manières. Je m'organise au départ, j'insiste au départ, avec, comme je vous l'ai montré, un stick d'alignement qui va être dans le prolongement de mon axe de jeu, un autre ici parallèle
pour être sûr que l'alignement de mon corps est parallèle à mon axe de jeu. Ça, c'est ce que je fais régulièrement. Ensuite, de temps en temps, aussi, je mets une baguette dans l'axe. Très important, ou de temps en temps, deux baguettes. Je vous explique la différence. La baguette dans l'axe, alors est-ce que je l'ai bien mis dans l'axe? Tout petit peu trop à droite. Pourquoi une baguette dans l'axe? Parce que je suis un joueur qui a tendance à jouer en draw. Donc, pour moi, ce qui est hyper important, c'est que par rapport à l'axe de jeu, par rapport à mon drapeau, ou par rapport à un axe si je joue le drive, il faut toujours que ma balle parte très légèrement à droite pour revenir à gauche. Si ma balle part directement sur la cible ou à gauche, elle finira très à gauche. Donc ma priorité est toujours que ma balle parte très légèrement à droite de ma cible. Ça, c'est pour moi très très important. Et de vérifier qu'elle part à droite et qu'elle va revenir. Donc au practice, j'utilise mon stick d'alignement à l'échauffement de cette manière-là. Ensuite, si je veux être encore un petit peu plus dur avec moi, je me fais une porte. Ici, et ma balle doit passer dans cette porte. En général, mes sticks sont plus hauts à l'entraînement quand je m'entraîne pour que ma balle doit passer entre ces sticks à chaque fois. Même dès ma routine d'entraînement pour valider ce qu'on appelle la direction initiale de la balle, qui est pour moi primordiale, principalement sur un fer, sur mon fer, par exemple, au départ du trou numéro 1. Je vais absolument vouloir que ma balle passe entre ces deux sticks pour qu'elle finisse en draw et que je sois sûr d'où va sortir ma balle. En général, en ce qui me concerne, l'effet de draw est toujours présent. Ma vraie problématique, c'est que de temps en temps, ma balle part trop dans l'axe ou même directement à gauche au départ. Si vous jouez dans l'autre sens, si vous avez tendance à jouer en fade, même organisation de l'autre côté. Si je fais ça au 1, ça ira. Donc voilà, les sticks d'alignement au sol et les sticks d'alignement pour la sortie de balle. Très important. Sachant que j'insiste au départ de la séance d'entraînement. Au bout d'un moment, avant de jouer, vous les retirez parce que sur le parcours, vous n'aurez pas ces aides. Ça vous donne un repère au départ et au milieu de la séance. Fin de séance doit être comme sur le parcours. Passez d'un club à l'autre le plus souvent possible. Imaginez les trous que vous allez avoir à jouer. Super important. Changez les axes de jeu pour être avec des vents qui vont être légèrement différents, avec des axes de jeu différents, comme sur le parcours. Le plus possible, comme sur le parcours, j'insiste. Est-ce que nous avons des questions? Lionel Alexandre, salut Lionel, la sortie de balle, la base. Oui, extrêmement important de savoir où va sortir la balle. Gilles Herbeau, très bonne question. Et la mise en condition terrain avec le petit. Gilles, nous en parlons dimanche. Sachant que c'est aussi un élément, mais primordial. Oui, bien sûr. Tiger Kawet, un de nos fidèles auditeurs aussi. Le changement de balle doit sûrement jouer aussi. Alors, est-ce que c'est le changement de balle entre le practice et le parcours? Si c'est votre question, oui. Ça a une influence, mais pas une influence qui non plus va être énorme au point d'être complètement perdu entre ce qui s'est passé sur le parcours et sur le practice. Beaucoup plus au petit jeu, mais en général, au petit jeu, vous utilisez vos propres balles. Au practice, ça sera moins le cas. Robin Good. Il faut vraiment ne pas hésiter à viser des cibles et à se fixer des objectifs dès le practice. Absolument, le practice. C'est le parcours. Si c'est complètement différent, si vous tapez des balles sans viser quoi que ce soit et qu'au 1, faut viser quelque chose, votre séance de pratique n'aura pas été assez utile. Je me répète, le premier coup au 1 est le prolongement de ce que vous avez fait au pratique. Vous ne devez pas être surpris au 1 parce que vous êtes l'objectif du pratique, c'est de vous préparer au premier coup que vous allez avoir, au deuxième coup que vous allez avoir et de ne pas être surpris sur le parcours. Donc oui, se fixer des cibles et des objectifs dès le pratique, je suis tout à fait d'accord. Olivier Rosner, salut Olivier. Et ne pas s'enflammer. Donc ça, Olivier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Gérer les émotions, ne pas s'enflammer. Donc vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, Olivier, sur le fait de, si la séance de pratique est super bonne, comme tu le dis, de ne pas s'enflammer. Combien de fois, toi le premier,
qui maintenant enseignant, mais qui a été un joueur amateur et professionnel fantastique, combien de fois, dont j'ai eu la chance de m'occuper, combien de fois tu as fait des séances de practice incroyables et donc tu t'es enflammé, petite tendance que tu avais, et les scores derrière n'étaient pas aussi bons qu'ils n'auraient dû par rapport surtout à la qualité de frappe de balle que tu avais à l'entraînement. Parce qu'en général, je me répète, mais c'est primordial si vous faites une super séance de practice. Gardez, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à regarder ce live. À un moment, je parle de ce trou numéro 1, où si vous avez un coup de fercet et que votre séance a été bonne ou mauvaise, vous allez avoir une stratégie qui va être complètement différente, à savoir, je me répète pour ceux qui arrivent, mais je pense que c'est très important, excusez-moi pour ceux qui étaient déjà là, si vous avez ce coup de fercet au 1, que le drapeau est collé au fond à gauche, vous venez de faire une séance de practice formidable, vous allez être très agressif et peut-être qu'avec un très bon coup, vous allez vous retrouver beaucoup trop loin derrière à avoir un chip. Vous allez sortir avec double bogey. Et si votre séance a été mauvaise, vous allez être beaucoup plus conservateur. Vous allez jouer le milieu de green, le début de green. Vous allez faire un coup pas terrible qui va venir rouler sur le green. Et de là, vous allez faire deux putts et faire le par. Vous allez faire le par avec un mauvais coup, avec une mauvaise séance de practice. Et vous allez faire double bogey avec un bon coup, une bonne séance de practice, uniquement parce que votre stratégie aura complètement évolué en fonction de votre séance de practice. Et comme le disait Olivier, ne pas s'enflammer et gérer ses émotions. Je me suis répété, je suis désolé, mais je pense que c'est primordial. J'espère que vous êtes d'accord. Alors, Fabien Zindel, que bien évidemment je salue aussi, très bonne question. Faut-il privilégier des clubs que l'on affectionne pour la confiance ou ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort avant une partie? Alors, très bonne question à laquelle j'ai du mal à répondre dans la mesure où. Oui, il faut se mettre en confiance avec des clubs que l'on affectionne, mais il faut quand même jouer certains clubs que l'on n'aime pas, parce que si on a à aller jouer sur le parcours, il faut s'y être préparé. Donc, bien évidemment, il y a toujours des clubs que l'on préfère à d'autres, mais j'insiste, il faut quand même s'en servir au practice pour prendre une certaine forme de confiance et s'être préparé à l'utilisation de ces clubs sur le parcours. Si on ne joue que des clubs avec lesquels on va bien et que dès le deuxième coup, hein, on prend le fair set qu'on n'aime pas, on ne s'y sera pas préparé. Je me répète. Colin Montgomery, pour ceux qui s'en souviennent, qui a gagné, je crois, 7 ou 8 fois d'affilée l'ordre, à l'époque, c'était un ordre du mérite en Europe, c'est-à-dire a été le meilleur joueur européen 7 ou 8 ans d'affilée, si mes souvenirs sont bons. Lui avait cette routine de taper deux fois chaque club avant d'aller sur le parcours pour être sûr d'avoir joué chacun de ses clubs. Si c'est quelque chose qui vous paraît pertinent et vous sentez que ça peut vous aider à être en confiance, n'hésitez pas à le faire. C'est aussi une bonne manière de s'échauffer et d'avoir joué tous les clubs. Donc, pour répondre à la question de Fabien, jouer même des clubs que vous n'aimez pas trop, tout simplement pour, si vous avez besoin de l'utiliser sur le parcours, pour vous y être préparé avant. Jacques. Bien sûr, Jacques, aucun problème. Par curiosité, pourrait-on voir si votre gant a des traces d'usure? Alors, c'est un gant que j'ai utilisé. Que j'ai utilisé quand j'ai fait il y a 15 jours, j'ai fait une mini-série où j'ai parlé du grip. Donc, j'avais fait sur ce gant je dirais différents marquages pour avoir un repère. Voilà mon gant. Donc, non, qui n'est pas trop abîmé, mais pour une raison particulière. Alors, il est un petit peu joué parce qu'on voit des traces, pas d'usure, mais des traces de, on va dire, de poussière ou de gants. Donc, non, mon gant n'est pas très usé parce qu'effectivement, je mets le club plutôt hop là, dans les doigts. On sait que la partie qui s'use, c'est celle-ci en général. Et si vous mettez le grip ici, le grip va bouger et va user un peu plus le grip. Donc non, en même temps, je n'utilise pas beaucoup, je ne le joue pas beaucoup, beaucoup, Jacques. Non, il n'est pas trop usé, mais normal. Et je ne serre pas très fort le club, donc c'est une des raisons. Mais c'est une très bonne question. S'il y a une usure à cet endroit-là où j'ai fait la croix, qui est un endroit interdit, ce n'est pas logique. Donc, si vous avez de l'usure ici, il y a trois causes. La première cause, vous prenez votre club beaucoup trop dans la paume. Première cause. Deuxième cause, vous pouvez peut-être serrer un tout petit peu trop fort le club. Et surtout, une cause en général du grip dans la paume est que le grip est trop gros par rapport à vos doigts. Donc, très important, cette partie-là ne doit jamais être abîmée dans un gant. Alors. Jean-Michel Vitiello, moi je veux bien taper deux fois les clubs de Colin Montgomery, mais je suis pas sûr qu'il me les prête. Non, Michel, je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr non plus, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Quels sont les horaires ce week-end, Philippe? Je ne sais pas encore tout à fait. On reviendra vers vous rapidement, mais plutôt le matin. David, quel est le pourcentage de joueurs, selon vous, jouant sans gants? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Principalement chez les joueurs professionnels. Le double, la double utilité du gant est, allez, triple utilité, maintien. De ne pas abîmer, donc ça en 1, de maintien, 2, protéger quand même sa main, et en 3, pour les gens qui transpirent, principalement l'été ou quand il pleut, c'est aussi un moyen d'agripper un tout petit peu plus le club. Diego Dupin, qu'on salue, un excellent pro de golf. Bien faire la différence entre un échauffement avant d'aller sur le parcours et une séance de practice. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi, bien que je pense que ce qu'on a vu ce matin sur l'échauffement, il y a des choses quand même à rajouter même dans une séance de practice, et j'espère que tu es d'accord avec moi, et n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, à savoir de viser quelque chose. Au bout d'un moment, même dans une séance de practice classique avant d'aller sur le parcours, de passer d'un club à l'autre. Donc, tout de suite, très souvent, beaucoup d'entre vous, en voulant bien faire, donc c'est pas du tout une critique vis-à-vis de vous, vous tapez pendant 3 heures de faire 7 pour mécaniser, mécaniser, mécaniser. Je suis pas super fan. Vous pouvez mécaniser en changeant de club à chaque fois. Sur le parcours, vous n'allez pas taper deux faire 7 d'affilée, à moins que vous mettiez le faire 7 heures limite, ce que je ne vous souhaite pas. Donc, j'insiste sur le fait de changer de club le plus souvent possible, même dans une séance d'entraînement classique. Vraiment, vraiment, j'insiste et j'espère, Diego, que tu seras d'accord avec ça et de viser toujours quelque chose. Donc, dans une séance de practice classique, elle va probablement durer plus longtemps. Il y aura peut-être un peu plus de mécanique, mais j'insiste sur, même dans ces séances de practice, d'intégrer une notion de visée et une notion de changement de club le plus souvent possible et de jouer, même à l'entraînement, même avant d'aller sur le parcours, de jouer certains trous. J'insiste là-dessus. D'intégrer dans cette séance de practice de la performance, pas que de la mécanique. Vous pouvez jouer sur le parcours, j'insiste. Pardon, vous pouvez jouer sur le parcours, sur le practice. Imaginez des fairways, imaginez des trous, changez de club à chaque fois. Bonne question, Jean-Charles. Alors, je vais essayer de trouver la question de Jean-Charles. Conseillez-vous le gant pour putter? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, le putting, les deux mains ont un rôle super important et un rôle hyper uniforme. Avec le gant, en général, on a toujours tendance à serrer un peu plus et la main gauche va avoir un peu plus d'incidence. Pour moi, sans gants, même si un des meilleurs joueurs de l'histoire du golf, qui est M. Jack Nicklaus, putter avec le gant, c'est vraiment une exception. 99% des joueurs professionnels jouent sans gants pour putter. Et moi, j'aime bien ça parce que je trouve que les deux mains vont être hyper, hyper unies et en tout cas vont faire la même chose parce qu'il n'y en a pas une qui aura un gant et l'autre pas de gant. Philippe Joux, merci Philippe, merci pour ces lives toujours très intéressants, merci beaucoup. Voilà, ça c'est du bonheur, je suis obligé de le mettre. Philippe Guérin, je suis vraiment obligé. Pour ma part, j'essaie de préparer mon carnet de parcours trou par trou et je vais faire les 72 coups avec les clubs théoriques, moins les 1 ou 2 coups sur le green. Bon, ça c'est l'apothéose du bonheur et bravo. Très bonne question de Fabien. Alors, c'est mieux d'éviter Fabien, mais bon, la vie fait qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, je suis bien d'accord. Si on arrive en retard avant une compétition, qu'il ne reste que 15 minutes, quel secteur d'échauffement faut-il privilégier? Deux choses. 15 minutes avant, Fabien, deux choses. En un, avoir la roule des greens. Prioritaire, j'insiste, en un, avoir la roule des greens. Si vous n'avez pas la roule des greens, c'est catastrophique. Donc, je me répète, en un, la roule des greens. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. En un, la roule des greens. Parce que ça sera notre sujet de dimanche. Si vous n'avez pas la vitesse des greens, il va vous falloir 3, 4 trous pour récupérer la vitesse des greens et vous allez perdre des points et perdre de la confiance. Donc, en un, la vitesse des greens. Et en deux, de faire les mouvements que Donna vous a montrés en début de séance au départ. C'est-à-dire, vous avez 15 minutes, vous avez 7 minutes sur le green pour avoir la vitesse des greens et 7 minutes au départ pour vous échauffer physiquement et de ne pas vous faire mal, pour réveiller votre corps. Donc voilà mon conseil. Putting
échauffement physique aux practices avec les exercices de Donna dans 2 mètres carrés pour vraiment sentir que votre corps va être prêt à faire le mouvement sans vous faire mal. Je répondrai à la question de Geneviève, Pierre, juste à la fin sur les zones rouges et vous dire. Jean-Michel Vitiello, pardon, j'avais pas vu la question. On nous dit de prendre un club de plus sur le parcours par rapport aux practices. La différence de qualité de balle terrain-practice ne compense pas ça automatiquement. Les balles de practice, alors vous allez dire, il répond pas à ma question. Il y a tellement de différences entre les balles de practice que c'est compliqué. Oui, si vous sentez que les balles de practice sont des balles, ce qu'on appelle low distance, que la balle va moins loin et vous allez tout de suite le voir par rapport à la balle que vous jouez, oui, peut-être prendre, si au practice vous tapez des fersets, la balle, si c'est des balles qui sont moyennes, la balle de jeu, qui est une très bonne balle, va aller plus loin. Donc, si vous tapez des fersets, la distance que vous avez au fersets sur le practice va être la même qu'un fer 8 avec une bonne balle sur le parcours. Oui, oui, par rapport à la qualité des balles. Mais voilà, c'est à vous de déterminer si les balles sont bonnes ou moyennes. On sait malheureusement qu'il y a des practices où les balles sont moins bonnes. Les balles coûtent très cher. Souvent, on se les fait voler dans les practices. Croyez-moi, c'est pas si simple. Donc, voilà, oui, effectivement, une balle de jeu ira 90% du temps plus loin que la balle de practice. Jean-Michel. David, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'ai envie d'y répondre. Je démarre le golf depuis peu et je suis plus à l'aise sans gants. Aucun problème. Aucun problème. Aurélien Varin. Alors ça, c'est complètement dans... Et Aurélien, bien évidemment, que je connais très bien et que je salue. Comment bien préparer son carnet de parcours? Je n'arrive pas à perfer sur un nouveau parcours. As-tu des conseils tellement plus simples quand on connaît le parcours? Comment gères-tu cela quand tu joues sur un parcours que tu n'as pas encore joué? La première des choses, c'est si je ne connais pas le parcours, je sais que je vais avoir une stratégie beaucoup plus... Là aussi, on va dire, je vais être hyper conservateur. Je vais jouer beaucoup, beaucoup le milieu de green, milieu de fairway. Je ne vais pas m'emballer. Je vais prendre pas mal de temps. Alors sans gêner les autres, mais le Bushnell, moi j'utilise un Bushnell au départ d'être sûr que à combien sont les arbres en face, combien sont les bunkers. Je vais avoir du mal à jouer si je ne connais pas, Donc c'est sûr que je vais prendre des informations. Et l'idéal, c'est bien évidemment de préparer son carnet de parcours. Pour ça, deux conseils Aurélien. Un, il y a un outil qui est formidable qui s'appelle Google Earth. Alors Google Earth Pro, avec lequel on peut faire des mesures directement, ça c'est très bien. Je vous conseille aussi d'aller sur YouTube et d'aller voir une chaîne YouTube qui est animée par Charles Dubois, qui est un ancien joueur professionnel et qui est cadet de Raphaël Jacquelin, qui a créé une chaîne YouTube principalement sur la création de carnets de parcours et de préparer un parcours à la maison. Donc, n'hésite pas à aller sur cette chaîne YouTube qui est extrêmement intéressante. Mais Google Earth, pour moi, est quelque chose de très intéressant, de se mettre... le parcours dans la tête avant de partir, je pense que c'est très intéressant. Rémi Bellina, que je salue, bien évidemment, en fin d'échauffement, jouer virtuellement les deux premiers trous avec les clubs imaginés. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, Rémi, au milieu de la séance. De se préparer, de faire au moins effectivement un trou, voire deux trous, et surtout d'avoir le premier coup, si vous devez avoir un coup dans le viseur, c'est d'avoir le premier coup au premier coup du 1, c'est-à-dire d'arriver au 1 et d'avoir préparé au practice ce que vous devez faire pour vous mettre en confiance directement. Pour répondre à la question d'Aurélien Varin tout à l'heure, Olivier Rosner, donc très bon joueur professionnel et maintenant enseignant, donne une remarque qui est très intéressante et pertinente selon moi. Quand on ne connaît pas le golf, ce qui est important, c'est toujours de jouer ce que l'on voit. C'est de ne pas imaginer certaines choses, de ne pas prendre de risques. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, Olivier, si tu es d'accord, de jouer très conservateur et de jouer effectivement ce que l'on voit. Voilà, c'est ce que je disais, Philippe, d'aller sur Google Earth, il y a des outils de mesure et ça vous permet de visualiser le parcours avant d'y aller, de connaître le parcours avant d'y aller. Allez, encore une ou deux questions et je vais malheureusement vous laisser. On a dépassé pas mal aujourd'hui, mais c'était extrêmement intéressant et c'est notre dernière semaine. Malheureusement, mais en même temps, on est ravis. Allez, une petite dernière question. Martha, YouTube, Charles Dubois, très bien, super, j'apprends.
pour Véronique Mellet, Olivier Menoux, qu'on salue. Bien la question de Sylvain. Alors, est-ce que je l'ai cette question? De temps en temps, toutes les questions ne me parviennent pas. Pourquoi on ne joue pas avec deux gants? Pour une raison très simple aussi, Sylvain, c'est que je pense que c'est tout simplement une habitude. C'est que ça a été fait comme ça, que la main gauche tient un tout petit peu plus le club et la main qui est au-dessus, et que la main droite, elle n'a pas de gants pour avoir un peu plus de sensation. Je pense que c'est des choses qui sont aussi dans les mœurs du golf depuis des années, plus qu'une réelle explication mécanique ou technique. Un gros merci à Cyril pour les super entraînements, bien évidemment, lui dit. Flyover Green, je suis d'accord, qui est aussi une application qui vous permet de passer au-dessus des parcours avec, je dirais, un drone. Jean-Claude Olivier, non, il ne faut pas s'arrêter. Je pense que c'est peut-être pour les lives. Sébastien Duftel, ça va nous manquer ces lives quand même. On va continuer. En tout cas, les équipes du Journal du Golf vont continuer à faire des lives. Alors, pas 3 fois par jour, parce que je pense que ça. On a besoin pour continuer d'avoir un peu d'audience et on en a eu beaucoup et on vous remercie 1000 fois. Donc non, je pense qu'on continuera, on ne continuera pas autant que ce qu'on a fait, mais c'est sûr qu'on va continuer à la fois avec les équipes du Journal du Golf et je pense que nous aussi, de manière indépendante et autonome, on va continuer à en faire, mais le plus possible avec le Journal du Golf qui a fait un travail. Nous espérons que vous l'avez vu absolument formidable pendant cette période de confinement en essayant de vous garder au contact du golf. De votre sport favori, de votre passion, et qu'en retournant au golf à partir du 11 mai, vous aurez appris certaines choses et vous serez plus compétente et compétent. Allez, pour finir, je reviens à la question de Geneviève tout à l'heure, qu'on salue, elle a été super présente sur nos lives, merci beaucoup. Ah, j'avais pas vu cette question, elle est super. Bertrand, Daïs, échauffement physique, range, donc practice, sortie de bunker, approche et putting, faut le compter combien de temps? Il faut que vous comptiez, Bertrand, 1 heure. Dès l'instant où vous démarrez votre échauffement, jusqu'au moment où vous allez arriver au départ du 1. Il faut 1 heure, selon moi, pour que vous ayez eu le temps de faire un petit peu tout ce qu'il faut pour être parfaitement performant dès le départ du 1. Donc, 1 heure, c'est super, Bertrand. Dès l'instant où vous êtes prêt à vous échauffer. C'est pas 1 heure à arriver sur le golf. On sait que quand on arrive au golf, il faut aller chercher sa carte de score, il faut aller chercher son jeton de practice, votre sandwich si vous avez besoin. C'est vraiment 1 heure d'entraînement effectif. Bon, alors j'ai perdu Geneviève. Guillaume, SVP des News pour les zones rouges. Une vidéo sur Golf Planet de Denis Fabre, mais ne fonctionne pas. Merci. Geneviève, on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis désolé, j'aimerais beaucoup pouvoir répondre à cette question. J'ai 400 membres aujourd'hui qui. Enfin, 400 membres, non, ils habitent en général proche, mais on a des membres au Golfe du Vaudreuil qui viennent de loin et qui nous posent cette question aussi. Nous manquons de réponses aujourd'hui, et alors je dis ça sans aucun reproche vis-à-vis de la fédération qui, je me répète, fait un boulot absolument formidable à l'aide de PGA France, de la DGF, des groupements des golfs. Ils font un boulot incroyable de je vais pas dire lobbying parce qu'ils aiment pas ça, je suis d'accord avec eux, mais en tout cas, de faire en sorte que nos structures rouvrent. Mais comme vous le savez toutes et tous, on est face à un problème méconnu qui évolue tous les jours, donc on doit s'adapter. Donc je ne peux pas vous dire du tout, Geneviève, pour les zones rouges, encore, je ne peux pas vous dire si vous allez pouvoir jouer à 2, 3 ou 4, si les practices vont être ouvertes uniquement pour de l'échauffement ou des leçons individuelles ou pour, je dirais, un entraînement en autonomie. Je ne peux pas vous dire non plus si les écoles de golf vont ouvrir. C'est des choses qu'on va savoir dans les jours à venir et peut-être qu'on le saura au dernier moment et ce n'est pas grave. On s'adaptera et on fera en sorte de répondre à toutes les demandes et de gérer au mieux. J'insiste vraiment là-dessus. Mais j'adorerais avoir ces réponses et j'adorerais pour pouvoir, ne serait-ce que moi, communiquer auprès de mes membres. Mais je n'ai pas ces réponses, Geneviève, mais je pense qu'on va les avoir rapidement. Merci à toutes et à tous. C'était génial une fois de plus. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez appris des choses. Merci encore pour votre gentillesse, pour votre fidélité. Allez, je vous mets le programme si je le retrouve, si vous me donnez un instant. N'hésitez pas à me reposer une ou deux questions. Je vais essayer de vous retrouver le petit programme de la semaine pour vous le mettre en visuel, même si je pense que vous êtes. Non, je ne le retrouve pas, mais si vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre. Allez, je vous le donne avant de partir. Hop là.
Alors, aujourd'hui, vous aurez. Je suis désolé, je n'ai pas appris par cœur, ce n'est pas très pro. Mais comme on fait pas mal de choses. À 14h aujourd'hui, Rémi Bedu qui va vous parler des juniors. Ça va être génial. Génial. Le golf junior qui est quelque chose de très important. Donc, à partir de 14h, Rémi Bedu sur le golf junior. Ensuite, 17h, Lewis sera avec Adrien Morque. Adrien Morque, génial. Adrien Morque, c'est un coach de golf qui coach l'équipe de TCU, qui est une des plus grosses universités aux États-Unis. Un truc incroyable. Et il est coach là-bas. Donc, il va pouvoir vous parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis, du golf de haut niveau. Donc, ça va être génial. Sauf qu'Adrien a une autre particularité. Il a, sur le Challenge Tour, alors je ne peux plus vous donner la date parce qu'il a été joueur professionnel, il a fait 59 en tournoi officiel sur le Challenge Tour et il est leader du score le plus bas après 36 trous. Donc vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses, dont comment extrêmement bien jouer, parce que c'est tout à fait exceptionnel. Je crois que c'est d'ailleurs le seul joueur français à avoir fait 59. Donc ça va être génial. Demain, Rémi, tips au putting. Donc il va vous donner pas mal de petits conseils pour être meilleur au putting. Moi, l'étude du swing des long drivers, c'est-à-dire des gens qui drivent à plus de 400 mètres, ensemble, on discutera de comment ils font pour envoyer la balle aussi loin. Et à 17h, avec Rémi, Patricia Meunier-Lebouc, joueuse extraordinaire qui, elle aussi, vit aux États-Unis, s'occupe de l'équipe de France Dames, s'occupe aussi de Pauline Roussin-Bouchard qui vit aux États-Unis et surtout joueuse française qui a gagné un tournoi majeur. Donc là aussi, cette double casquette de coach et de très très bonne joueuse. Voilà, toute la semaine, ça va être génial. L'histoire du golf mercredi avec Rémi Bedu. Jouer sous pression avec Lewis à 11h mercredi et avec moi, cette comparaison entre le swing jeune et adulte des meilleures joueuses françaises. Céline Boutier quand elle était toute petite et maintenant, on va comparer son swing et vous expliquer quelle a été son évolution, par exemple. Donc, ça va être sympa. Jeudi 14h, la rédac a un live pour vous, absolument génial. On ne vous en dit pas plus, ça sera une surprise. À partir de 11h, ma mini-série, votre retour au golf, on part là depuis le titre départ. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez à partir de lundi? Et Rémi vous parlera des nouvelles technologies à 17h. Voilà le programme rapidement de cette semaine. Vous êtes pas mal à me demander de taper quelques coups. Allez, je vous tape 3 ou 4 coups pour finir si vous le souhaitez. Et ensuite, je vous laisse. Bonjour et merci à toutes. Jean-Guillaume Sirier, bon anniversaire en 2006. Guillaume Biojo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un gros, gros anniversaire à Jean-Guillaume Sirier qui travaille pour la Fédération française de golf, qui fait un travail formidable pour la fédération et surtout pour l'organisation de tournois professionnels. Donc, bien évidemment, on lui passe un coucou. Je vous tape quelques coups avant de finir car vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé des petits SMS pour me le demander. Donc, 3 ou 4 coups et je vous laisse. Une dernière, c'est pour vous donner envie, à partir de lundi prochain, dans une semaine, vous pourrez faire pareil, voire mieux, beaucoup mieux. Merci pour votre fidélité. Ah, mais non, je ne me suis pas mis dans le bon sens. Allez, j'en retape deux. Comme je disais, vous pourrez faire pareil, voire mieux. À partir de lundi prochain, en vous échauffant, comme on l'a vu aujourd'hui, le plus calmement possible, sans effort, sans vous faire mal. Et je vous donne rendez-vous demain pour vous parler des long drivers et comment ils génèrent autant de puissance pour faire autant de distance. À très vite.